les quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peur, nous avons offert simplement ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés comme chrétiens autour de Jésus-Christ ressuscité, lui, notre bon pasteur, pour célébrer notre foi, mais aussi puiser à la source de sa grâce, lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, lui qui connaît nos peines, lui qui connaît le poids de nos jours, lui qui connaît nos besoins, nos problèmes et nos demandes. Préparons-nous, mes frères et sœurs, à célébrer le mystère de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et humblement demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous mendions pour pitié, nous mendions pour pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, alors que nous célébrons le mystère de la résurrection du Seigneur, accorde-nous d'accueillir la joie de notre rédemption. Lui qui viendra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, les versets 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'est en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Prions le psaume 86 après chaque strophe, entonnant ce refrain. Louez le Seigneur, tout le peuple. Louez le Seigneur, tout le peuple. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime la porte de Sion. Plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tout le peuple. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez-t-il la Philistie, l'Éthiopie? Chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Veuillez vous lever pour acclamer l'Évangile. Dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia.
qu'il soit béni, le nom du Seigneur, dès maintenant et toujours, de l'aurore au coucher du soleil. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 10, du verset 22 au verset 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. De l'aurore au coucher du soleil, dès maintenant et toujours, que sa gloire surpasse l'univers, que son nom soit béni. Célébrez le nom du Seigneur. Maxime, bonjour. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont reçu le nom de chrétiens. Nous en sommes 40 après Jésus-Christ. Et Biblicio, il fait nous connaître que non chrétien ça, mot ça, il a utilisé seulement trois fois dans le Nouveau Testament. Dans l'extrait livre, Travail apôtre, nous jeune aujourd'hui à chapitre 11, 26, chapitre 26, 28, et dans la première lettre, Pierre, chapitre 4, 6. Il y a une question de curiosité qui est capable de venir dans l'esprit, nous, c'est chercher, connaître qui Jean était connu nous avant. Et pour répondre toujours à la question, ça, nous toujours entrer dans le Nouveau Testament, nous avons que il était connu nous les saints, au pluriel, S-A-I-N-T-S. Qui gagne une signification, pas vraiment même gens que ça nous gagne aujourd'hui, mais qui surtout voulait signifier consacré à Dieu. Chrétien,
saint, consacré à Dieu. Il n'y a pas vraiment ben nous explication ou information sur contexte, appellation ça. Texte là dit nous simplement que c'est après les Barnabé étaient menés Paul dans la ville là. Ils étaient financés et disciples pendant une année durant. Et c'est après ça, ils ont baillé partisans Jésus-Christ, non chrétien ça. Mais le fait que nous payons en pile détail n'est pas anodin. Et moins à travers l'évangile, je dis à nous capables de sens non ça à nous porter. Et nous jouons quatre pistes qui sont capables d'aider nous à sens, mettre contexte, mettre tout ça à nous voulons là-dedans comme chrétiens. Première piste, ça cap authentifier non ça nous porter comme chrétien, ça cap justifier et cap ba nous crédit, ces œuvres nous yo, œuvres nous yo qui bon, œuvres nous accomplies nan non bon Dieu, nan non la foi non, les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage, qui donc dans la première piste, ça me dit, qui dit chrétien, dit bonne œuvre. Deuxième piste, c'est intérêt, c'est souci, nous gagnons pour la vie. Notre capacité, notre degré de sacrifice pour vivre et pour faire vivre les autres. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et la deuxième piste, ça me dit, qui dit chrétien, dit la vie. La première piste, qui dit chrétien, dit bonne œuvre. Ou pas qu'un chrétien, ou pas fait de bonnes œuvres. La deuxième piste, ou pas qu'un chrétien, ou pas partisan la vie, ou pas chercher la vie. Peut-être tout et pour l'autre. Troisième piste, non chrétien, ça à nous porter, c'est le témoignage d'unité. Témoignage de vivre ensemble, témoignage de une vraie tête ensemble, que n'a pas baillé comme partisan Jésus-Christ, n'a copié ce modèle. Cet ensemble ça qui existait entre papa, entre bon Dieu papa et petite Lee, le père et moi, nous sommes un. C'est ça nous côté la finale de l'évangile là. Le père et moi, nous sommes un. Et là nous retourner encore sous appellation saint au pluriel pour désigner chrétien yo dans le Nouveau Testament. Nous sommes capables de dire déjà le fait même que l'Iprin S montrer union ça, unité, tête ensemble ça. Premier chrétien, yo, te voulé former. Troisième piste là, qui dit chrétien, dit union, dit tête ensemble. Enfin, quatrième piste, capable de justifier, authentifier, non chrétien ça, nous porter. C'est la connaissance mutuelle et profonde. Je les connais, c'est ça Jésus dit. Je connais mes brebis. Une connaissance non pas superficielle, mais une connaissance qui va plus loin. Connais moun qui l'a avec nous. Connais moun qui travaille la caille nous. Connaît moun qui a collaboré avec nous. Pas seulement nol, mais aller plus loin. Partager moment qui est important dans la ville. Partager tristesse li. Partager peine li. Nous chanter le commencement. Partager poids du jour. C'est là où Abdi ou connaît moun. C'est vrai, comme pasteur, nous gagnons mission ça. Mais nous-mêmes tous, comme communauté, nous devons faire effort ça. Pour qu'on ait frère et soeur qui n'ont même communauté,
qui dans même l'église là qui a marché. Deux fois on pas connaît. Moun na vini là, li na la messe, mais on pas connaît ça qui a tracassé. Juste aborder elle, proche elle, parler avec elle et la l'ouvrir. Et si on capable aider elle, on aider elle et on bal sourire, on bal la vie. Comme quatrième piste, l'âme dit, qui dit chrétien dit compassion, qui dit chrétien dit attention pour l'autre là. Mais quatre pistes, moi ben non, qui capable aider nous, by crédit, non ça nous porter qui c'est chrétien, en fier de non ça nous porter. Comme Paul, comme Barnabé, nous capables souffrir aujourd'hui comme chrétien, nous capables prendre humiliation. Yo capable pas comprendre nous, mais nous avons grâce, bon Dieu, cap marcher avec nous. Simplement, en fait effort pour nous vivre de telle sorte que mounio pas gain raison sur nous. Mounio cap voir nous vivre. Faut que yo dit vraiment, mon ça, c'est un chrétien, c'est partisan Jésus-Christ. Et là, c'est à travers quatre pistes, mon banon. Qui dit chrétien dit bonnes œuvres. Qui dit chrétien dit la vie. Qui dit chrétien dit tête ensemble. Qui dit chrétien dit attention, compassion pour l'autre. C'est pour bon Dieu faire nous grâce. Il fait nous vivre vraiment une façon pour le faire plaisir. Et comme ça, nous sommes capables de toujours jouir des bénédictions à grâce li dans nos papas, à petite là, à l'Esprit Saint. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui verrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, oh, comme mettre la scène, et n'a point un coulis. Non, 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 Saint, oh, comme mettre la scène, et n'a point un coulis. Les noms galés, ni ciel la nité, qui laisse mes veines, qui m'aiment passer ça. Bravo, bravo, pour si la carrière et la vie, on n'en remet là. Faut nous élever, bon Dieu qui est dans le ciel là. Vive bon Dieu dans le ciel là. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles, des défunts dont les noms étaient cités au début de cette célébration et pour qui nous prions. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté et ta bénédiction sur notre pays Haïti. Sur toutes les personnes qui ont recommandé cette messe en action de grâce. Sur tous ceux et toutes celles qui se sont recommandés à nos prières. Eliezer Pierre, Emmanuel Laurent, Ricardo Ariel, Tamara Aline, Jonathan Mavens, sur nos frères et sœurs qui en ce jour célèbrent leur anniversaire de mariage, René Innocent et Jasmine Louis Dédé, Marie-Thérèse et Joseph Vincent Vio, Hugo et Elisabeth Sandy Lesti, sur Marie-Yves Paul qui célèbre son anniversaire de baptême, sur Joanne Menguet, qui célèbre son anniversaire de communion. Sur Amsterlin Hiller, Ashley Ricardi Lebrun, Chérie Peggy, Édouard Guerlain, Édouard Christ, Giovanni Moïse Weber, Elisabeth Sandy Litus Lesti, Gaël Frances Rameau, Yves Christel, Neisha Seva, Grazuela René, Jacques-Marie Lovely, Jean Rona, Jessica Joseph Duméus, Joanne Altenor, Judith Julien, Laurore Kersin Ducasse, Lunique Morency, Margaret Sanon, Aurélus Sandra, Viviane Hiller, Wesley Mathieu, révérende sœur Marie-Denise Zulmar, révérende sœur Jacqueline Estama, nous implorons ta bonté, ta bénédiction sur toutes les personnes qui sont unies, qui participent à ces célébrations via la radio, la télévision, les réseaux sociaux, sur nos collaborateurs, nos collaboratrices, sur chacun, chacune de nous ici présents. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce et du Perpétuel Secours, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De Dieu qui enlève les péchés du monde, ô grande pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Porter la vie, c'est comme moi.
manger comme ça, sans ça. C'est moi, Jésus, qui va nous manger. Merci la
Seigneur, écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Faisons un petit chita tout petit, s'il vous plaît. Avant de nous souhaiter, mon cap fête yo, yon bonne fête, nous gagnons annonce clergé paroissial là, banoul, en rapport avec moi de mai, le mois de Marie. Donc, cap gagne. Trentaine de prières à la Sainte Vierge Marie du 1er au 31 mai 2024, tous les jours sur la radio télé Altagrâce. L'horaire des messes, 6 heures, messe et prière à la Vierge, 7 heures du matin, messe plus prière à la Vierge et adoration du Saint-Sacrement. Et à midi, messe et prière à la Vierge et adoration. Offrons une prière à la Vierge, offrons un cierge à la Vierge, offrons une fleur à la Vierge, offrons notre pays à la Vierge, offrons-lui surtout notre vie. Pour les contacts, nous avons les numéros suivants, le 31 04 21 21, le 40 57 18 18. Voilà. Et qu'on y en a souhaité un joyeux anniversaire de mariage à René Innocent et Jasmine Louis Dédé, Marie-Thérèse et Joseph Vincent Vio, qui a fêté 43 ans de vie de mariage. C'était un joyeux anniversaire de mariage de Hugo et Elisabeth Sandy Lesti. Nous souhaitons un joyeux anniversaire de baptême à Marie-Yves Paul. Un joyeux anniversaire de communion à Johan Mengrette. Nous souhaitons un joyeux anniversaire de naissance à Amsterlin Hiller, Ashley Ricardi Lebrun, Chérie Peggy, Edouard Guirlen, Edouard Chris, Giovanni Moïse Weber, Elisabeth Sandy Litus Lesti, Gaël Frances Rameau, Yves Christelle Nessa Seva, Grazuela René, Jacques-Marie Lovely, Jean C. Roland, Jessica Joseph Duméus, Joanne Altenor, membre de la Grande Chorale Paroissiale. On continue de souhaiter un joyeux anniversaire de naissance à Judith, Julien, Laurore, Kerkstein, Ducasse, Lunique, Morency, Margaret Sanon, Aurélus, Sandra, Viviane Hiller, lui-même c'est membre du groupe Les Bien-Aimés de Marie. On continue de souhaiter un joyeux anniversaire de naissance à Wesley, Mathieu et à la révérende sœur Marie-Denise Ulmar, révérende sœur Jacqueline Estama. Toutes deux, les sœurs de Saint-Paul de Chartres, qui ont fêté Jodia. Jean-Noël Butufel, pendant qu'on a chanté, tout ce qui a fêté l'anniversaire et qui là, a assemblé à Jodia, est capable d'avancer devant l'autel. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday. En toute campée et ensemble, nous saluer Maman Marie, Maman toute grâce. Et Mandel porter toute la prière, nous, ben bon Dieu, Papa, par l'entremise, petit Jésus-Christ, lui-même, qui connaît nous plus que nous-mêmes, qui connaît problème nous, qui connaît besoin nous. En saluer Maman Andy, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame d'Alta Grâce, grâce pour nous, grâce pour nous, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Notre-Dame du Perpétuel Secours, secourez-nous, secourez le monde entier. Protéger l'Église, protéger notre foyer. Saint Michel, Archange, supplique à Saint Michel, Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vos princes, amen, Seigneur. Repoussez en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins, qui errent dans le monde pour la paix des âmes, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, merci au ministre extérieur de la communion, servant d'hôtel, chantre, maestro, tambourinaire, technicien et technicienne Nuyo, caméraman Nuyo, tout le monde qui propte l'église. Merci à chacun et à chacune de vous. Que le Seigneur écoute votre prière et qu'il nous fasse tous grâce. Allez dans la paix du Christ. Souhaitez-nous passer une agréable journée. Merci mon Père. Merci. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Le rythme de ta joie, ô Seigneur, avec moi. Donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur.
serai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon.